Bon, c'est bon là, putain. On a marre là. Oh. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion? C'est même pas que je plante, c'est le logiciel qui plante quand je... Bon, j'arrive en Cyrodiil et j'en ai aucune foutue idée du pourquoi, du comment. Donc voilà, enfin le truc a fonctionné. Donc voilà, nous sommes en Cyrodiil. Nous sommes en Cyrodiil, donc à un endroit PVPE, donc puisqu'il y a du PVP, il y a du truc contre joueur, du monstre contre monstre. Hein. D'ailleurs, j'avais oublié d'augmenter ma vigueur, voilà, j'ai 3 points de caractéristiques à mettre, donc en vigueur, que je me rappelle qu'on m'a dit. Voilà. Et mes compétences, je les avais déjà augmentées, j'avais juste oublié d'augmenter ça. Donc, nous sommes donc en Cyrodiil, donc une zone PVP, joueur contre joueur. Et surtout, ne pas oublier que j'avais oublié qu'on pouvait faire, c'était augmenter pour la sécurité. Lorsque votre personnage a une monture désignée comme actif, chaque personnage peut prendre des cours d'équitation auprès du maître d'écurie. Le maître écurie propose une leçon d'équitation tous les 20 heures. Augmente la capacité de port jusqu'à un maximum de 60. Prenons ça. Donc, dès que je sors de cet endroit, il peut y avoir du PVP. En sortant d'ici, enfin, même déjà avant, de toute façon, mais... Voilà, là par exemple, je peux me faire attaquer par un joueur tout d'un coup. Je ne suis pas à l'abri de me faire attaquer. Sachant que pour le moment, nous avons plus ou moins la moitié là. On a là en fait qui est en train d'être attaqué, je pense. Je pense que là c'est en train de se faire attaquer. Mais là, tu vois là, il y a une cité impériale et je dois aller là-bas. Donc, il y a des endroits qui sont verrouillés, déverrouillés pour le moment. Et il y a des donjons. Ces donjons donc qui permettent, si vous l'avez compris jusque là, d'avoir un système de PVE, mais aussi PVP. Tout comme dans les cités, il y a un système PVE, PVP et le centre. Et après je sais pas comment ça se passe dans les grandes villes, je sais bien que les grandes villes, il peut y avoir des combats aussi. Donc ça va être un peu spécial. Je vous avouerai que je suis un peu... Je suis pas trop à mon... Oh, regardez ce que je trouve là pour plus. J'ai jamais vraiment fait de PVP sur les MMORPG, j'ai jamais été très bon surtout en fait. Et bon là je suis niveau 10, hein. Il faut savoir que dans, si je me rappelle une vidéo que j'ai vue, les gens... Comment puis-je dire ça? Voilà, on a un point de compétence magnifique. Plus, plus du monde, enfin les gens... Oh c'est beau. On est tous mis au même niveau plus ou moins. Bien évidemment, il y en a qui ont des avantages, hein, vous vous en doutez bien, vu qu'il y a quand même, vous pouvez pas trop déconner. Parchemins des anciens. Les parchemins des anciens sont une importance cruciale pour chaque alliance. Chaque joueur se verra en effet octroyer un bonus pour chaque parchemin des anciens à sécuriser dans un temple, sur le piédestal d'un fort contrôlé par son alliance. Sérieux? Sauf qu'apparemment, on ne donne pas. Esprit combatif. Santé augmentée de 5000, les compétences sont à la portée de supérieur de 28 mètres, voyez leur portée augmentée de 8 mètres, les dégâts et les soins et les boucliers aux protections vont se réduire de 50. Augmentation de la valeur d'un mur, ok. Alors, d'ailleurs, on va en profiter vu que mon personnage peut monter encore une compétence. Je veux regarder un coup. Un petit peu. Augmente votre score de coup critique à l'armure moyenne. Hein. Vous développez une enveloppe de brut pour gagner évidemment majeur. Faut juste que j'en profite aussi, c'est pour mettre que je suis en live sur ça sur Twitch encore, hein, comme d'habitude. Ok, tourbillon. Il y a pas mal de trucs, hein. Il y a franchement, il y a vraiment de quoi. Ombre réfléchissante et barrière d'ombre. Utilisation d'une compétence d'ombre, vous avez 3 résolutions. Augmente vos récupérations. C'est de l'équipement de l'armure lourde, mais moi ça m'arrange pas l'armure lourde. Hein. C'est comme ça, je sais pas ce que c'est. C'est un peu genre magie, je pense. Je
Je regarde, hein, je me permets de regarder. Près de 10% le coût de la furtivité, c'est quoi ça? Ça peut m'être utile, je pense, vu que bon, je suis un personnage furtif, augmenter la furtivité petit à petit. Donc, je vais me diriger vers par là. C'est la zone, c'est voilà, tout ça c'est une zone PVP, donc je peux tomber sur des joueurs n'importe où. Bien évidemment, je risque de plus tomber sur des ennemis si je suis vers les zones ennemies que vers mes zones amies. Bien évidemment, ce qui est logique. Hein. J'ai hâte de tester la furtivité, comment ça se passe. Comment on sort de cette zone? Je suppose qu'il y a des grandes zones pour dire voilà... Apparemment on est en train d'attaquer une zone. Ce qui serait quand même plutôt cool. Mais ouais, c'est que la zone est énorme hein, quand même. Il y a de l'orage en plus. Tac 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 tac. Là, je pense que c'est ça qu'il faut suivre pour aller dans les différents endroits. Pas évident parce que la map a l'air tellement grande en fait que ça a l'air d'être assez compliqué. Je sais même pas si on peut s'y téléporter d'une zone à l'autre. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir bouton téléporté quoi. Ok, donc j'ai utilisé la porte, ça m'a fait passer de l'autre côté. Donc allons vers l'endroit par exemple. Bon déjà on va aller d'abord plutôt parler au mec, parce que si je me fais buter là-bas et que je reviens tout au début, ça va faire mal au cul. Et après il y a aussi des quêtes et tout, donc c'est vraiment c'est vraiment genre, il y a plein de trucs quoi, il y a des quêtes, il y a des... Il y a apparemment beaucoup, il y a apparemment tout plein de choses quoi. Garde du domaine, ça c'est des gardes, donc ça va, c'est des coéquipiers. Ce qui me fait peur en fait, c'est de me faire attaquer comme ça, d'un coup par derrière, sans que je le voie y arriver. Mais regardez, on a démarré là. Vous vous rendez compte? On est juste là, on est même pas encore là. Ça perd l'hypopète. On a même pas fait la moitié de la route. Peux-tu sentir la douleur? On peut rejoindre des groupes aussi à... Je voudrais, je pourrais rejoindre des groupes de gens qui sont en train de jouer. Bah, y a un jeu. Non, c'est un Spriggan. Donc ouais, exactement ce que j'ai expliqué. Il y a aussi des monstres. Il y a aussi des monstres, on peut gagner de l'XP et tout, donc c'est pas... C'est pas genre ça sert à rien, voilà, vous pouvez faire que du PVP, non, il y a aussi du PVE. Et il y a aussi apparemment des drops, hein, bien évidemment. Au départ de là, je crois que c'était des joueurs, quoi. Je sais pas combien il y a de gens sur les maps PVP, bon je suppose qu'on va tomber plus contre des gens quand on va arriver plus dans les zones PVP. Quand on sera plus proche. Bon on a quand même deux parchemins des anciens. Est-ce qu'on peut savoir où sont les parchemins des anciens et des autres? Oui on peut le savoir, d'accord. Il y en a, il y en a trois. Et chez les bleus il y en a pas. Donc bien évidemment les couleurs, on vous l'en tire, d'où les jaunes et le domaine d'Alberi, le rouge c'est cœur et ben, et le jaune, ben, je sais plus. Voilà. Et il y a aussi des récoltes, hein, donc on peut vraiment tout avoir. Hein.
Et c'est là qu'on voit qu'il y a énormément de zones. On voit que le jeu est vraiment énorme. Hein. Ah. Je pense pas que c'était les ennemis. Greffe en fer vital. Faveur du mage, mais on trouve des trucs. Bureau fouillé. Des crochets. Cotelet de fer, c'est de la mûre lourde. Donc on peut quand même faire du PVP, même si cette zone... Enfin, on peut faire du PVP, même si cette zone PVE. Donc en gros, là, je peux, par exemple, je peux attaquer, me faire agresser par un joueur. Oui, tu brûles. Je pourrais me faire agresser par un joueur Bender par exemple. Pendant que j'étais en train de battre lui. Ah ben, ça serait du jeu. Elle fait, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, il y a beaucoup de gens qui tapent ça. Ça doit être un rapport avec... Fort Group ou un truc comme ça. Ou alors c'est peut-être IFG, donc Invite for Group. Donc invité pour grouper ou des trucs dans le genre. Un jour j'ai montré quand on va arriver vers le conflit, bah, il va y avoir des trucs un peu plus spéciaux. Et regardez-moi cette map, elle est énorme. Cette zone est énorme, elle est vraiment grande dans la zone. C'est juste dingue. Hein. C'est à s'y perdre quoi, je veux dire. Ah non, il n'y a pas de minimap pour le plus, donc il faut toujours regarder un peu pour être sûr qu'on est dans la bonne direction. Après, je sais bien qu'il y a un add-on pour ajouter une minimap. Qui je pense que je rajouterai. Ah, on a repris le point jaune apparemment. Mais là, on voit que ça nous. What? C'est spécial, hein. Bah, d'un côté, grâce à ça, on voit que ça nous. Allez, on est presque arrivé au truc pour dire, voilà, je viens le général Dedras, là, Dedras. On y est presque. Mais faut pas oublier que par ici, je risque peut-être de tomber plus facile, plus sur les joueurs. Hein. Faut pas oublier ce détail-là, qui peut être assez dangereux. Ok, c'est bon. On prend quand même pas les dégâts quand on descend à cheval comme ça. Il y a des loups. Qui robent sûrement de la peau. Ah, il y a une pierre par là. Faut que j'aille à la pierre. Obligé. J'ai pas encore croisé des joueurs. Hein. La tronache. Je sais pas si ça voudra dire quoi qu'on aura une capacité pour invoquer la tronache. Augmente la récupération de la magie. Non, ça m'intéresse pas. De toute façon, je suppose que les zones attaquées, c'est genre par exemple ça. Là, par exemple, il y a une zone attaquée. Là, en fait, c'est là où il y a les gens qui se barrent. Alliance détectrice, le pacte, et ben, le guild des doivent me revendiquer. Ah. Oula. On voit qu'on se rapproche de trucs plus importants. Moi je veux juste aller aller voir le général et lui dire voilà je veux dire voilà j'ai fait ça.
voir et en même temps découvrir un peu les autres PVP du jeu qui m'a l'air quand même sacrément rempli. Oh là 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 là. Ici on rentre dans un brouillard de guerre. Donc ici il faut faire un peu plus attention. L'étoile à empereur Ramus du Facteur Rebelle a été déposée. Cœur ébène. C'est pas nous alors hein. Donc ils ont eu quelque chose. Je suis pas compris. Un premier ray de fer. Mais c'est pas ici que je peux lui parler ? Ah non, c'est encore plus loin. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis ici parce que sinon... Apparemment c'est là-dedans qu'il faut faire attention dans les égouts aussi. Bien évidemment.